Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de décembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder donc pour ce tirage général ce qui va se passer pour décembre. On commence les vidéos maintenant pour qu'elles soient prêtes pour début décembre. On va regarder quel est le signe qui va être pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez tous très bien pour les... Pour les Verseaux. Ok, chers amis Verseaux, ce sera votre tour. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez un message du jour. Donc nous sommes vendredi et un message des fées de conseil pour ce mois de décembre. Je fais pas en deux parties ce mois, je ferai l'année 2022. Donc j'ai fait un petit sondage sur YouTube, c'est sympa, vous avez bien répondu. Et surtout, j'ai eu des retours pour avoir par quinzaine. Vous préférez par quinzaine, donc je le ferai. Mais ce mois de décembre, j'ai fait directement pour le mois, pour voir ce qui se passe en général. Vous allez regarder tout à l'heure. Donc, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, c'est votre tirage aujourd'hui. On nous dit comme message, souvent sur ces cartes, et ça peut vous parler, donne une impulsion fraîche à ta vie. Et il y a des dates, il y a toujours deux dates. On nous parle de 11 semaines ou de 11 mois. Quelque chose qui peut vous parler, soit qui a été fait, qui s'est terminé maintenant il y a 11 mois, soit qu'il y a quelque chose qui se fera dans 11 semaines. Essayez de calculer, de voir. Parfois, ça parle très fort directement, ce message. Bienvenue sur les guidances de Shiva. Merci à tous les nouveaux d'être là. Merci pour vos gentils commentaires, des très très beaux commentaires. Pourtant, je n'ai aucune vue. C'est très très bizarre. Donc, il faut que je règle ce problème encore une fois. Et puis... Donc, ce que je vous demande, c'est simplement de vous abonner. Si vous pouvez, ça ne coûte rien. C'est cliquer j'abonne, je m'abonne. Et puis, je reçois les notifications. Vous recevez juste que j'ai fait une vidéo pour que vous les voyez si ça vous intéresse. Et vous pouvez me demander un tirage personnel aussi sur le mail qui est sous la vidéo. Avec grand plaisir, je vous réponds 2-3 jours. Là, je vais prendre déjà deux énergies pour ce mois de décembre. Donc, on va être pour les Verseaux décembre 2021. On va voir qu'est-ce qui se passe. Verseau, décembre 2021. Verseau, décembre 2021. Verseau, décembre 2021. Verseau, décembre 2021. J'ai pas de carte qui saute. On va déjà voir la coupe. Alors, vous aurez des choix à faire. Et ça, je dis tout le temps, j'ai l'impression que j'ai déjà dit parce que j'ai fait pas mal de tirages en novembre. Vous allez devoir... prendre une nouvelle direction parce qu'on arrive au bout d'une situation. C'est pas je suis dans un domaine, ça me plaît pas, je vais changer. Non, vous êtes en train de finir quelque chose. Vraiment, j'arrive au bout d'un mode de vie, d'un mode de travail, d'une relation. Et il y a des opportunités qui s'ouvrent. Donc ce sera à vous de choisir laquelle sera importante. Alors ça peut être dans le domaine immobilier. Un travail dans le domaine immobilier qui sera positif a priori. Et puis, ça peut aussi nous dire qu'il faut poser de bonnes fondations pour cette nouvelle direction. Un contrat, une stabilité, ou ça vous apportera une stabilité. Ouais. C'est régi par l'univers. On va prendre deux cartes. Alors, quelle énergie pour les Verseaux en décembre? Verseaux en décembre 2021. Alors... Niveau du chakra sacré, l'univers. Elle était en. Quand j'ai retourné, elle était en dos de deck et sous la carte de la première coupe. J'ai dit c'est poussé, aidé, soutenu par l'univers ce changement de voie où vous arrivez au bout. Vraiment, notez ça dans votre tête hein, de quelque chose. Je pense que ça va parler à beaucoup de Verseaux. Pour un renouveau, ici, on nous dit que vous allez faire quelque chose de créatif avec le chakra sacré, donc le deuxième. Pour certains, ça peut être une mise au monde d'un enfant, mise au monde d'un projet. C'est la notion de créativité, de mettre quelque chose au monde. D'accord? On va prendre deux cartes ici, des anges, messages angéliques pour les Verseaux. Verseau pour le mois de décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme information pour le mois de décembre 2021 pour... Ouais. Verseau, décembre 2021. Verseau, décembre 2021. Alors, ça saute pas trop, on verra après. Verseau,
Verseau en décembre. Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire pour ce mois pour vous? Donc, n'hésitez pas de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire qui donnera plus d'informations si vous voulez compléter ce tirage quand ça sera sorti. Alors, on nous dit demande de l'aide à tes anges et puis attends. Attends. Pourquoi attendre? Donc, il y a cette notion de 2 mois et demi. Ah, il y a certainement une attente par rapport peut-être à des papiers. C'est ce que j'avais vu, ou de l'administration et de l'argent. Il y a une attente ici, peut-être sur une aide financière qui vous permettra d'avancer au niveau pro. Demande de l'aide à tes anges. Bon, l'univers, il est quand même sur vous, il veille sur vous, il va vous aider. Et je sens quand même du professionnel ici, beaucoup, pour les Verseaux, quelque chose de créatif. Attendre encore un peu ce mois de décembre. On va voir pourquoi. On va regarder le tirage avec l'oracle. Du sixième sens couvert avec le 10e oracle pour avoir plus d'informations pour vous. Et puis à la fin, ensuite j'ai un, pardon, ensuite je couvre par du sentimental une petite partie et je ferai un tirage sentimental par la suite. Donc je vais demander ici pour les Verseaux décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message? Quelle énergie pour les Verseaux en décembre 2021? Deux, non, trois, c'est trop, oh, quatre, un paquet. Verseau pour le mois de décembre. Verseau, décembre 2021. On va voir si je fais comme ça. Dans ce sens, ça va plus facilement. Donc, on a la passion, on a un renouveau après une période de mensonge. Il y a de nouveau la notion de grossesse que j'ai dit. Donc, il y a vraiment pour certaines qui attendent un enfant, les femmes verso, vous pourrez être surprise d'être enceinte, un cadeau de l'univers. Hein. Là, c'est vraiment chakra sacré, c'est au niveau des organes... reproducteur, donc la création, la mise au monde de projets, etc., ou d'un enfant. Mais on voit que dans une histoire d'amour, je vais encore en prendre une pour les Verseaux en décembre. Donc ça soit plus dans ce sens. Encore une. Alors, je vais pas. Ouais, je vais faire maintenant la coupe. Verseau en décembre. On parle de déménagement. Je crois que je l'avais vu. Certains vont se déplacer, vont aller vivre avec quelqu'un. Peut-être c'est une grossesse. Vous allez prendre un appart, vous allez changer de lieu. Parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous fait être pas bien. Il y en a qui ont une certaine procédure ou qui vont prendre une décision de changer de lieu. De se mettre avec une amie, un ami. On décide de changer de lieu où il y a des affaires en justice, peut-être par rapport à de l'immobilier. Je vais prendre les cartes et je vais vous donner mon interprétation pour les Verseaux en décembre 2021. Donc, je disais pour la première ligne, on dirait qu'il y a pour moi des retrouvailles. Des retrouvailles dans une vie sentimentale pour les Verseaux, qu'il y aurait eu peut-être une séparation ou qu'il y a eu des mensonges. J'avais dit plusieurs fois hein, que le Verseau, soit il s'était fait tromper, soit il l'a trompé aussi. Et ça arrive, ma foi, souvent. C'est un gros problème dans les relations sentimentales, donc c'est un petit peu normal que ça sorte. Qu'il y a eu une séparation ou qu'il y aura une séparation. Moi, je pense qu'il y a eu une séparation à cause de mensonges. À cause de choses cachées ou non dites ou d'une tierce. Mais entre vous, il y a une passion. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau dans la même histoire qui peut être un renouveau grâce à une grossesse ou un renouveau pour des nouveaux projets. Si ce n'est pas la même personne, ben bien sûr, vous prendrez un chemin différent avec ici. Dans une relation passionnelle où il y a malheureusement...
Une relation très forte, mais malheureusement des choses cachées. On peut nous dire que chacun va prendre son chemin ce mois de décembre aussi. Et puis, qu'il y a une nouvelle jeunesse ou une nouvelle rencontre avec des projets en cours, avec la naissance d'un amour, avec la naissance d'une vie commune, avec la naissance d'un enfant. Vraiment cette notion de quelque chose qui se prépare pour vous en amour. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit avec la même personne. On va voir. Je ne suis pas sûre, hein. Là, j'ai plus l'impression que vous prenez chacun un chemin différent en ce mois de décembre, mais qui était assez passionnel comme relation, assez forte pour ceux qui en ont eu une. Sinon, on peut dire qu'il y a une rencontre, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de naissant avec des projets. Mais vous allez découvrir qu'avec cette personne, elle vous cache des choses ou elle n'est pas totalement sincère. Et je dirais à la fin du mois de décembre, vous allez prendre un chemin différent. Ça, c'est pour les célibataires. Bon, on parle déjà de sentimental. Ensuite, on a la jalousie, les lions, les discussions, maladie, trahison, encore une fois. Je ne sais pas si dans votre couple... Alors, ceux qui étaient avec quelqu'un, ça engendrait de la jalousie autour de vous. C'est possible. Il y a peut-être une personne ou une de vos ex qui était jalouse, qui est toujours autour de vous. Donc, vous, parfois, vous devez pas, qui était toujours autour de vous ou de votre partenaire, qui a fait qu'il y a eu des mensonges. Donc, vous dites pas à votre partenaire, voilà, il y a mon ex qui me tourne autour, donc vous ne le dites pas, mais ça crée des mensonges dans la relation. Vous allez devoir discuter, poser les choses sur la table parce qu'on nous dit que cette histoire ne vous rendait pas super bien parce qu'il y a bien eu effectivement quelqu'un qui était faux dans l'histoire, vous ou l'autre. Là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est vous le Verseau. Donc, vous prendrez quand même un chemin séparé. Ça ne vous rend pas bien cette histoire. Vous allez certainement discuter parce que vous allez soit voir la tierce personne qui vient. Que vous allez voir ou qui va venir s'interposer ou vous dire les choses, mais on a la carte de la force qui sort un petit peu de là. Ça peut être soit un lion aussi dans l'histoire ou il y a une notion de persévérance, de courage à avoir pour régler ce qui se passe là. On nous parle vraiment de cette histoire sentimentale. Peut-être autour d'une grossesse, peut-être la jalousie d'une ex qui revient. Il y a vraiment une notion triangulaire qui sort dans ce tirage. Attendre. On va couvrir. Là, j'ai besoin de couvrir les cartes. Situation qui vous, ouais, qui vous rend malade, le fait de voir, moi je pense tout le temps caché, être faux avec l'autre, ça ne nous rend pas bien. Il faudra poser les choses sur la table avec force et courage, parce qu'il y a de la jalousie dans l'air. Et ça crée des doutes dans votre couple. Il y a toujours un élément tiers quelque part là. Alors, pour les Verseaux, je demande pour le mois de décembre 2021, message supplémentaire, Verseau décembre 2021. Verseau décembre 2021, message supplémentaire. Verseau 2021, message supplémentaire. Je vais faire un tirage au tarot. Alors, d'abord... Une carte supplémentaire sur la passion. On va voir. Carte supplémentaire sur la jeunesse. Carte supplémentaire sur le mensonge. Carte supplémentaire sur la grossesse. Carte supplémentaire sur la séparation. Carte supplémentaire sur la jalousie. Carte supplémentaire sur la force. Carte supplémentaire sur les discussions. Sur la maladie. Et sur la trahison. Donc, comme c'est des petites cartes, on a toujours le message du dessous qui peut rester visible. Ça, c'est pas mal. Donc, la passion. C'est drôle parce que j'ai fait, je crois, trois tirages de suite. Le jardin est sorti trois fois de suite à cet endroit-là. Des fois, on ne comprend pas. Il y a une passion. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans un lieu public. C'est ce que je ressens. C'est le public, le lieu où du monde, avec du monde. Il y a une passion amoureuse qui a démarrer ou qui va démarrer pour ceux qui sont célibataires dans un lieu public où il y a du monde. Voilà. Ce que je peux vous dire pour ce renouveau, alors c'est pas mal que vous repreniez, alors soit avec cette personne, mais j'ai pas l'impression, il y aurait quelqu'un de nouveau ici pour les Verseaux qui va vous redonner aussi un peps, qui va vous redonner
une santé, hein, parce que la maladie, vous n'étiez pas bien avec tous ces mensonges. Il y a un renouveau, une nouvelle rencontre, probablement. En plus, il y a le 7 de cœur. On nous dit aussi que ça améliorera ta santé. Ça va améliorer ton énergie. Ça, tu seras mieux. Le mensonge, on dit que c'est quelque chose qui était très important dans votre histoire. Ou ça va être très important dans ce mois de décembre. Beaucoup de mensonges. Vous avez dû cacher où on vous a caché. Qui a pris beaucoup de place. Qui était très important. Qui a duré. Un gros mensonge. Ouais. Quelque chose d'important. La grossesse, les nouvelles. Effectivement, ça peut nous dire que vous allez avoir des nouvelles. Certaines femmes verso, ça ne va pas parler à toutes. D'une grossesse où vous allez avoir des nouvelles d'un projet commun, les versos, ou d'un projet professionnel peut-être. Au niveau du bâtiment, j'ai toujours cette histoire de bâtiment. Au niveau du travail pour certains. Pas tous. Mais nouvelles, grossesse, bon, ça peut parler pour certains. Certaines. C'est une chance que vous preniez une autre route. Ouais. Donc c'est mieux qu'il n'y a pas de réconciliation avec cette personne avec qui vous êtes. Là, ça parle quand même beaucoup de couple. Passion. Pour le moment, je parle du sentimental. Donc on nous dit c'est une chance de vous séparer de cette personne où il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a une nouvelle rencontre ou un renouveau dans votre vie sentimentale avec des projets, des nouvelles pour des nouveaux projets ou une grossesse avec une nouvelle personne. Sur la jalousie, on vous jalouse par rapport à votre personne, par rapport à qui vous êtes, par rapport au succès que vous avez peut-être. On vous jalouse, vous et votre foyer, peut-être, voilà, c'est l'extérieur. C'est pas vous forcément qui mentez. C'est peut-être cette tierce personne qui vous veut. Ça ressort un peu comme les scorpions. Là, il y a bien l'ours, donc encore une fois, une certaine force à avoir. L'ours, c'est aussi comme un petit peu le lion. C'est la persévérance, la force, le courage pour moi. Ouais, dans le petit Lenormand, ça c'est pour l'oracle, ça c'est le petit Lenormand qui nous dit la même chose. Il faudra être courageux, affronter cette situation. Donc des discussions, ça concerne bien le sentimental, hein. J'allais parler d'autre chose, de travail. Moi, là, on a un tirage sentimental pour les Verseaux. Des discussions pour cette situation avec votre partenaire. Et visiblement, il y a quelqu'un d'autre qui est jaloux de votre relation. Avec qui peut-être vous avez des liaisons ou vous gardez un contact, vous voyez. Vous n'avez pas lâché. Sur la maladie, on nous dit que vous êtes protégé. Sur le fait que vous n'êtes pas bien, on vous protège, ça va s'améliorer, comme avec la santé. Donc, régler cette problématique d'une personne qui vous ment, ou que vous mentez, ou une histoire de mensonge, de cachotterie, de fausseté, en ce mois qui va ressortir et qui va se terminer. Parce qu'on vous dit, on vous protège, il y a un renouveau qui se fait par rapport au fait que ça vous rendait malade. Il y a un gros mensonge, hein, sur les Verseaux. Sur les Verseaux ou partenaires des Verseaux, je pourrais dire comme ça. Il y aura une fin sur cette trahison. Et qui, on me dit que c'est un gros mensonge. J'ai vraiment un gros truc qui n'a pas été dit pendant longtemps. Ça rend malade, ça ronge. Moi, je le vois par exemple, tu mens à ta femme pendant très longtemps et tu entretiens une liaison avec une autre femme. Voilà, de côté, tu dis rien, tu fais comme si tout allait bien alors que vous êtes trois. Et là, il y a la jalouse peut-être qui apprend quelque chose, que vous vous renforcez dans le couple, elle ne veut pas, et ça va ressortir. Et vous allez devoir régler cette histoire. Parce que peut-être vous aimez vraiment, vraiment, vraiment votre partenaire, parce que vous ne voulez plus de ces triangulaires qui vous rendent mal, et vous en avez marre aussi de porter un masque. C'est pénible de vivre avec ça. Alors, voyez si c'est vous ou si c'est l'autre. N'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Je vais quand même faire un tirage tarot après. Je vais faire peut-être pour les autres signes, on verra. Alors, je vais voir ici avec l'amour ce que ça nous dit. Mais là, ça parle vraiment de ça, hein. Je vous ai dit un exemple. On va demander pour les Verseaux, pour l'amour en décembre 2021. Verseaux amour, décembre 2021. Verseaux amour, décembre 2021.
Ouais, pour moi, on règle cette situation. Vous vous séparez de quelqu'un. Il y en a une de trop. Je dis une ou un. Vous, femme, avec deux personnes. Vous devrez vous en séparer d'une personne. Soit votre officiel, soit la tierce jalouse. Soit le tiers jaloux, soit un homme jaloux, soit quelqu'un qui est jaloux. Des déplacements. Alors, on peut dire aussi, on quitte une situation. Hein. On avance, on quitte. Une problématique, on nous dit de lâcher prise, effectivement de reposer votre mental parce que pour moi ça fatigue de mentir tout le temps. De porter un masque, ça nous fatigue. Lâcher prise, reposer, vider votre mental. Vous allez devoir prendre effectivement une décision importante au niveau amoureux, les Verseaux. Quelle direction prendre? Voilà, on en a bien cette route. Quelle direction il va falloir prendre? De qui je me sépare? Avec qui je continue? Alors, il y a une histoire de signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, on parle du printemps, donc peut-être ça va se régler totalement au printemps, que là, en décembre, vous allez dire les choses, vous n'allez plus pouvoir garder où ça va sortir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en lumière, il faut savoir aussi, chers signes Verseau et autres. Donc, avec un signe de feu, si ça vous parle, Bélier, Lion, Sagittaire. Et vous êtes quand même protégé, parce que c'est ce que je vous ai dit. Il y a une notion de protection avec l'étoile. Il y avait une autre carte de protection. Il y a les anges qui vous disent de leur demander de l'aide. Il y a l'univers. C'est quelque chose vraiment qu'il faut régler. J'allais presque dire karmique, vu qu'on est dans les réglages karmiques pour tous les signes. Attendez un petit peu. C'est pour ça qu'on a la carte, je parlais du printemps. Votre relation est protégée. Il y a une relation officielle qui a l'air protégée d'une tierce. La tierce, j'ai l'impression que c'est celle-ci. C'est la signe de feu qui vous veut absolument. Elle ne vous supporte pas avec quelqu'un d'autre. Ou il vous veut absolument. Il ne vous supporte pas avec quelqu'un d'autre. Il vous faudra prendre vraiment la décision et prendre la situation en main. Alors, que va nous dire le jour donc? On est aujourd'hui vendredi. Message du jour. Est-ce que je l'ai ici ou est-ce que je l'ai ici? Est-ce que je l'ai sorti? Sunday, Saturday, Monday, mardi, jeudi, mercredi. Alors, attendez. Hein. Ça, c'est les signes. Ah, il est là. Friday. Finaliser quelque chose. Donc, finalisez-vous cette histoire, laisse aller. C'est exactement ce qu'on vient de parler. Finalisez une histoire, laisse aller, laisse couler. Je crois que je me suis trompée de jour hier. Hier, j'ai dit qu'on était vendredi pour un signe. Pardonnez-moi, ça peut arriver. On n'est pas des machines. Hein. Enfin, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Donc, premier conseil, finalisez quelque chose, terminez quelque chose, laissez aller, lâchez prise, reposez votre mental et réglez cette situation. Là, on ne peut pas faire plus clair. Alors, je vais prendre un conseil. Quel conseil pour les Verseaux pour le mois de décembre 2021? Verseaux, décembre 2021. Décembre 2021. Quel conseil pour les Verseaux? Alors, c'est le milieu. Il faut que tu fasses des recherches. Donc, c'est peut-être à toi de trouver les informations cachées. Il y a les livres de nouveau. Donc, les livres ouverts, livres fermés. C'est qu'on trouve des informations, tu as besoin de plus d'informations sur ces situations, cherche avant d'agir. Donc elles vont venir à vous, il y a des nouvelles, il y a de la jalousie, il y a des discussions, ou soit vous allez trouver par vous-même, ou soit vous allez la voir, ou le voir, d'accord? Il y a un élément tiers. Donc peut-être avant de trancher avec cette épée et prendre une décision, ce mois de décembre, ce sera la révélation d'une personne supplémentaire et en trop, dans votre vie. Ça a parlé aussi de ça dans un autre tirage il n'y a pas longtemps, mais c'est nécessaire. Si ça ne touche pas du tout le sentimental, voyez si ça peut toucher un domaine professionnel, familial, amical aussi. Des fois, il y a des amis qui prennent beaucoup de place,
qui ne laisse pas l'autre en couple, hein, c'est possible. Voilà. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et je vous retrouve tout bientôt. Merci pour votre soutien. À bientôt. Au revoir.